poche na biso adjerka na moni porte fungami général à côté na 4 pem muta bouger tao to telemi moi général problème ni arbitre na sombi le pambou adjerka etikali mu panjoyo koto e komi abiso na tulio koko présenter na document abiso ko sakana na zo kangayo na zo chona jeep na kenno no tino auditora abino le pango bo tikango etikala bo e koma pulaye bato ba vanda alubite okuna bazaba mekanje abikanga munoko nayo abini na ngali banda lokola za general moyena sana crochage ezate na ju moto na kiti na 12e ri nde na bengi ukonji na biso aibisi ngambo sa va yo zonga na poste tika ye asala nyo so ya linga sa na zonga na ye na poste na vandiwa minute te ayaki na capitaine ya demi ap atindiye boba na kubuka ndako kote na nga babuki ndako nyo so tu azwi na sac na ngai na telefone na bambongo ezaki na kati azwi batye barekipere arme nake nayibi bango arme na voiture nayibi arme nake nango ntango nakimi alobi mbo tozoluka ye falemi toka ngai nde bapeti bazaki libanda baye koyebisangake oletina soko vandi akokango akomemo na auditora alo soki amemi yo koyeba na bisiko kete lukamwa ozala musika nde nazwaki mboto nabengi major na expliquer que non na zo déplacer po azana po sa kanganga nena zo ki moto tinda na komi na ndako na tongo ndela longa ki na ke direction mo konja yebsinga zonga na poste biso to zo na bakumi nende mo mona zonga a komi a plus de 4 fois a koya a sombeli ba jeune union surtout masanga ba nini ba kote awa a yebsi bango to komi ba voisin tina ndenga ya ki ko bourner ba bisiko lobi a pesi ba jeune 50 000 alors, abengi bango bo buka ba buki a ebisi bango ke to komi ba voisin upanjo na tikeli de jerka koto eza yanga ba kitaba mata il faut na récupérer am que y a un certain général non autrement identifié qui s'est pointé ici pour faire ce que on vous a raconté tout à l'heure. Alors nous en tant que de jerka nous sommes venus pour faire le constat et nous avons constaté qu'il y a eu occupation irrégulière, il y a même spoliation et destruction méchante parce que nous avons vu ce qui a été fait. Il a même déplacé les bords. Donc en ce moment, ce que nous pouvons dire en tant que DGRK, c'est de porter plainte. Nous avons déjà porté plainte et si ce fameux général pense qu'il a des droits sur cette propriété, nous allons les exhiber au tribunal. Donc, c'est ce que nous pouvons dire pour le moment. Mais nous savons et tout le monde sait que cette propriété appartient à la DGRK. La propriété appartient à la DGRK depuis, je ne sais même plus quelle année. Cette propriété appartient à la DGRK et nous allons nous en remettre à la justice. C'est depuis 2011 que cette propriété appartient à la DGRK. Nous allons donc nous en remettre à la justice pour que le droit et le bon droit soient dit.